Bonjour les internautes, bienvenue sur la chaîne de Cristal. Aujourd'hui, oh l'action! J'espère que vous avez tous bien ça qui me suivent sur ma chaîne de Cristal. Parce qu'en fait, j'étais retournée parce qu'il manquait 2-3 bricoles. J'avais vu que dans les. Vous savez, à partir du mercredi, ils mettent les produits orange, enfin les étiquettes orange. Et j'ai trouvé ceci. Alors là, j'ai été tout de suite. Hein, parce que quand j'ai vu ça sur le site, directement, je me suis dit, je vais aller tout de suite. Hein. Donc, c'est un t-shirt Fortnite, taille S pour mon fils le grand. Il sera très content. Je vais le mettre de côté pour son anniversaire. Voilà, je prends un taille S. Et en même temps, je n'avais pas montré ça sur le site. Donc, il y avait des cassons. Donc, j'ai pris deux cassons Fortnite. Tout simple. Un bleu, parce que je sais qu'il adore le bleu, mon fils. Voilà, et j'ai pris un noir. Enfin, j'ai pris ce que j'ai trouvé, parce qu'il y avait d'autres t-shirts. Et enfin, à la base des bases, il aurait dû y avoir d'autres t-shirts. Moi, je crois 3 ou 4. Je crois, non, 3, je crois. Et en fait, je n'en ai trouvé qu'un seul. Voilà. Et en plus, j'étais prêt à prendre un autre t-shirt. Un gris avec des trucs noirs, mais franchement, c'était taille M. Et bon, bah, je me suis dit non, je le prends pas. Voilà, parce que je voulais le prendre à la base, hein, même si c'était pas la taille à mon fils, parce que mon fils taille S. Donc voilà quoi, tout ça sera pour son anniversaire. En plus de d'autres cadeaux que je lui ferai, mon fils le grand. Après, j'ai pris ça pour les enfants, pour Pâques. J'ai pris, c'est un lot de 3 KitKat lapins, donc ça va être comme ça en fait. Je sais pas si vous allez bien le voir comme ça, voilà les lapins. Ça va être 3 comme ça. J'ai pris 6. Voilà. Ah, dehors, il pleut là. Quand je suis sortie, il commençait à. Désolé, je fais une petite parenthèse. Quand je suis sortie, il commençait. Il pleuvait pas. Et dès que je commençais à arriver vers l'arrêt de bus, voilà. Il a commencé à. Un tout petit chouïa. Après, quand je suis ressortie du magasin, je me suis pris la saucée. Je vais vous dire. Mais bon, bref. Heureusement que c'était pas tellement trop loin l'arrêt de bus du magasin. Mais bref. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer ce que j'ai pris pour mon fils. Apprendre à compter. Je sais plus combien je l'ai payé, mais bon, comme mon fils il va rentrer en 6e, n'importe quoi, en CP. Donc, je l'ai pris. Vous voyez, ça se présente comme ça à l'intérieur. Voilà, vous voyez. En fait, je vous explique le principe. En fait, c'est dans ce livre-là, en fait, vous allez trouver. C'est en fait, il faut. En fait, il y a marqué 2 en bleu. Là-haut, je vais vous montrer. Vous voyez, là, il y a marqué 2. Voilà. Donc, ici, il faut chercher les 2 qu'il y a. Voilà. Et comme ça vous aide à compter. En fait, c'est partout pareil. Voilà. Enfin, quand tu pars pareil. Il faut juste, en haut, sur la barre du haut, vous allez avoir le numéro en bleu foncé. Et donc, en dessous, après, vous cherchez l'animal ou le truc. Voilà. Donc, ça serait bien pour mon fils le grand. Hein, parce que. Pas le grand, le. Ça qui va avoir 6 ans. Voilà. Donc, la prochaine fois, bon, bah, je lui donnerai ça à mon fils. Voilà, parce que j'ai trouvé ça pas mal. J'ai pas trouvé les autres livres. Enfin, c'était des livres. Avec. Dès que vous ouvrez, comme ça raconte une histoire, mais il n'y avait pas. Il y en a une. Elle a montré ça sur ses vidéos, et moi j'ai cherché. Mais le rayon était à moitié vide pour les enfants, donc je l'ai laissé tomber. Ensuite, j'ai pris. J'ai repris des blocs comme ça. Vous voyez? Il y en a déjà 2. Voilà. Ensuite. Attendez, parce qu'il y en a encore plein. Il y en a de ce modèle. J'en ai pris plein. Pour me refaire mon stock parce que là j'en pouvais plus. Comme ça j'ai pris 2. Il y avait déjà un qui était déjà ouvert mais c'est pas grave. Moi je l'ai pris quand même. Ce modèle-là, normalement, le deuxième il est là. Voilà. Je prends 2 par 2 parce que franchement. En tout, je dois en avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je ne vous ai pas donné le prix. L'hécatombe, c'était 2,99€, il me semble. Le t-shirt 3 euros, près, ça fait 3,99€ je crois. Donc ça fait du 4 euros. Ça c'est 0, ça, alors ça, je peux pas me tromper. Ça c'est 0,84 centimes à l'unité. Cela, après je vais vous montrer. Vous avez pris 6. Cela, j'ai pris 3 comme ça. Et 3 comme ça encore, j'en ai repris. Parce que j'en ai tellement besoin des carnets en ce moment que bah, quand je les trouve, j'achète. Voilà. Avant, je me disais, ouais, non, j'ai pas de carnet. En fait, dès que j'ai une utilité, en fait, je vais aller au magasin, je vais acheter des carnets. Mais là, franchement, comme tu sais que j'en ai besoin en ce moment, des carnets, donc j'en ai pris. Ensuite, je vous montre, il y a encore d'autres carnets que j'ai pris. Donc, j'ai pris un modèle comme celui-là, parce que j'ai trouvé que celui-là. Voilà. Ensuite, après, vous avez. J'ai pris 2 modèles comme ça. Parce qu'à la base des pas, ce que j'avais vu la première fois, je les avais pas pris, mais là, je les ai pris. Parce que j'ai tellement besoin de carnet pour faire des choses, donc voilà. Ensuite, j'ai pris des boîtes comme ça, là. J'ai repris des boîtes comme ça, parce que dans mes anciennes, oh là, comme vous allez voir, il y a celle-là, que j'avais déjà pris, celle-là.
Ça, l'unité, c'est 1,99€. Les grosses boîtes comme ça, là. Donc, j'en ai pris 4. En fait, j'ai pris un de chaque, en fait. Voilà, vous voyez, il y a ce modèle-là aussi qui est pas mal. Il y a ce modèle-là aussi qui est pas mal aussi. Vous voyez, j'ai pris tout ça. Pris 4, parce qu'à chaque fois que j'allais à Action, en fait, j'en trouvais qu'un seul. Une seule boîte qui restait, donc je la prenais. Voilà. Donc maintenant, j'ai fait mon petit stock, parce que je sais que je vais en avoir besoin pour trier pour l'album photo des enfants. Voilà. Donc au moins, tout sera rangé dans les boîtes comme ça. Au moins. Et ça sera mieux. Parce que tout dans un seul sac. Entre les albums photos des enfants, entre tout ce qui va être pour faire les albums photos des enfants, il manque plus que les photos et normalement j'ai tout ce qu'il me faut normalement. Parce que de temps en temps quand je vais à Action, je prends des autocollantes. Bref, je prends plein de trucs de décoration pour faire les albums photos des enfants, voilà. Donc là, moi, ce sera pour trier un peu ou pour moi faire un truc spécial avec. Voilà, maintenant je sais pas où trop, je vais les ranger trop parce que j'ai pas beaucoup de place chez moi. Chez moi, les places sont chères comme mon salon, je me sers de chambre, je me sers de tout ça malheureusement comme j'ai un petit T2. Donc c'est pas facile. Bah il me semble que je vous ai tout montré mon haul Action. Voilà. Sur ce, passez à tous une agréable journée. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre des commentaires et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne de Crystal. Portez tous vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. Ciao ciao!